dit mon fils. C'est toi qui fais sortir les sons des bandits. Mais la vieille comment tu nous les sons des bandits. Dieu de mou, Dieu de toi, tu que s'il te plaît, prends ma dédicace. On me voit que c'est moi le dandy. Pas au rare, c'est toi le dandy. Hey yo la mif, what's up, j'espère que vous allez bien de vous écouter. En tout cas moi ça va tranquille. Alors, celui-là comme ça les gars, moi comme vous j'ai vu la vidéo de l'oiseau rare qui offre un cadeau à la daronne de Yo. Comme les gens l'appellent la maman de Yo. On ne connaît pas son nom. D'ailleurs si vous connaissez son nom, dites en commentaire les gars. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé le nom de la daronne. Franchement, en tout cas pour son âge, 64 piges, bouger comme ça, franchement. Attention les petits maudits là, les petits qui aiment souvent aller draguer les mamans là, faut pas aller. Ok, bon les amis, bon on va d'abord écouter ce qu'il dit, on va écouter ce qu'il dit dans la vidéo. Maman gabonaise qui voit les bleus sur la toile, une ancienne danseuse de Lilian Goma. Et rien que le fait qu'elle soit rarissime, qu'elle danse les sons de l'oiseau rare avec le goût, j'ai décidé au nom de tout le Gabon de lui faire un cadeau. J'espère que vous allez pour sa grand-mère, sa mère, tout ça là. C'est lui et c'est moi. Merci. Ça te pour mes 64 ans. Beau geste, beau geste les gars, beau geste. Les autres artistes, prenez exemple sur l'oiseau rare. Voilà. Vous savez, quand on a fui chez nous, on a fui de noir là. Les gens sont tellement jaloux que c'est difficile d'avoir les vrais fans. Tu vois un peu, les vrais fans. Comme en Amérique, en Europe, les vrais fans qui tombent pour toi, qui te soutiennent dans les mauvais moments, les bons moments. Donc, quand tu as des vrais fans chez nous, il faut vraiment être là aussi pour eux. Donc, c'est vraiment un bon exemple à suivre. Voilà. Alors, l'oiseau rare ne cesse de nous surprendre. Non, à part ça, on le voit aussi dans une vidéo qui se réconcilie avec Donzer, soi-disant entre griffes, son ennemi juré, le genre du Gabon, quoi. Son rival juré du Gabon. Ils vont certainement faire une fuite ensemble. En tout cas. Nous on attend ça, on attend le feat de l'oiseau rare et Donzer. Donc les gars, franchement, c'est pour dire qu'il y a des évolutions dans la musique gabonaise. Et donc, restons connectés, il y a peut-être des très bonnes choses qui arrivent pour la nouvelle année 2025. Alors les gars, merci comme d'habitude, je remercie ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo réaction les gars, let's go.